Bonjour à tous et merci de regarder cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble une petite astuce sur Android et on va voir comment pouvoir décrocher avec le bouton marche arrêt, éventuellement le bouton home. Ici, moi, ça sera avec le bouton volume haut. Étant donné que je suis sur un Galaxy S8, il n'y a pas de bouton home mécanique, donc on ne pourra pas avoir cette possibilité. Mais dans tous les cas, cette astuce, lorsque je vais vous montrer où elle se situe, vous allez pouvoir le faire de vous-même car vous allez entendre comment réaliser cette technique. Merci à vous de regarder la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez surtout pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. On est plus de 2100 bientôt et vraiment, merci à tous mes abonnés. Voilà donc, on va tout de suite se rendre dans les paramètres de l'appareil. On va donc aller sur paramètres. Orasi. Paramètres. Paramètres. Double appui pour sélectionner paramètres. Dans paramètres, on va aller sur, d'après vous, on va aller tout de suite se rendre dans Google, accessibilité, vue, audition, dextérité, interaction. Appuyez deux fois pour activer. Accessibilité, audition et interaction. On va rentrer à l'intérieur. Accessibilité. Ici, si on part vers le bas, accès direct, ajouter des raccourcis à des rappels de notification, répondre et mettre fin aux appels. Répondre et mettre fin aux appels, c'est ce qui nous intéresse ici. Répondre et mettre fin aux appels. Affichage des articles, réponse aux appels, en tête. Appuyez home, vol. Pour répondre, activez bouton. Appuyez de ici, on a activé volume haut pour répondre aux appels. Donc le bouton complètement en haut à gauche. Réponse automatique. Les appels entrants sont automatiquement acceptés dans un délai de 2 secondes. Lorsqu'un casque ou un périphérique Bluetooth est connecté. Fin des appels. Appuie sur marche pour fin appel. Et donc, appuyez sur marche arrêt, le bouton sur le côté droit de notre Galaxy S8 pour la fin des appels. Cette astuce, vous allez pouvoir la gérer même si vous n'avez pas Talkback, Voice Assistant, de mis en marche. Ce qui veut dire que si vous avez rencontré des problèmes au niveau de votre écran ou si vous voulez appuyer sur les boutons physiques, il vous suffit donc de vous rendre sur paramètres, accessibilité, répondre et mettre fin aux appels. Vous rentrez à l'intérieur, vous cochez les cases que vous avez besoin. À ce moment-là, vos boutons vont devenir des boutons de décrochage et de raccrochage de communication. Voilà donc, on va faire un exemple concret avec le téléphone. On va appeler le portable. Vous allez voir que on va pouvoir décrocher avec volume haut, vous avec le bouton home, si vous avez un bouton home sur votre appareil. Ici, voyez, je décroche volume haut. Voilà, je viens ici de décrocher mon appel. Et si je veux raccrocher, tout simplement, bouton marche arrêt. Et comme vous voyez, je viens de raccrocher l'appel. Voilà comment on va pouvoir, grâce au bouton, décrocher et raccrocher sous Android. Vraiment une astuce que je voulais vous partager sous Android, car elle peut être très pratique pour beaucoup de gens. Par exemple, en situation d'handicap visuel, par exemple, en situation d'handicap TMS des membres supérieurs, donc des troubles musculo-squelettiques. N'hésitez surtout pas à partager cette vidéo car elle est très importante pour beaucoup de gens, je pense. Et si vous voulez tester cette astuce, surtout mettez-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Voilà bien, cette vidéo est déjà terminée. Je vous remercie beaucoup de l'avoir regardée jusqu'au bout. Et je vous dis donc à bientôt pour la prochaine. Salut !